Dans une vidéo émouvante postée sur Instagram par RTBF, Sophie Davant commente son départ d'affaires conclu sur France 2 pour rejoindre Europe 1, expliquant qu'elle se sent contrainte d'arrêter son rôle après 6 ans d'antenne pour une autre opportunité. Des adieux déchirants. Sophie Davant, l'animatrice de l'émission à succès Affaires conclues sur France 2, prend la parole pour évoquer sa décision difficile de quitter la chaîne pour se lancer dans une nouvelle aventure radiophonique. Le 27 juillet, la célèbre animatrice télé de 60 ans est ainsi apparue dans une vidéo émouvante publiée sur le compte Instagram de la chaîne belge RTBF. Sophie Davant fait ses adieux à l'émission Affaires conclues, est-il légendé ? Dans la vidéo, l'animatrice prend la parole face caméra dans les locaux de la radio. C'est une émission que j'ai adoré présenter. Comme vous, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai progressé au même rythme que vous, commence-t-elle. Mais c'est le cœur serré que je suis contrainte d'arrêter, ajoute celle qui est mère de 2 enfants. Ainsi, c'est après 6 années passées à la tête d'affaires conclues sur France 2 que Sophie Davant rend l'antenne. Une nouvelle aventure sur Europe 1. Comme Europe 1 l'avait déjà annoncé, Sophie Davant a précisé qu'elle travaillera au micro de nos confrères, dans le cadre d'une émission qui sera diffusée en direct, au même moment qu'Affaires conclues. Hélas, c'est en phase d'Affaires conclues, donc je n'ai pas pu faire les deux en même temps, a-t-elle indiqué. Une occasion pour elle de choisir de se renouveler. Je me suis dit qu'après 6 ans, ce serait le moment de tenter une nouvelle expérience, a-t-elle ajouté avec franchise. Mais j'ai le cœur serré et triste d'abandonner ce programme que j'ai adoré. Une transition qui marque un nouveau chapitre dans la carrière de Sophie Davant, qui n'a certainement pas peur de relever de nouveaux défis. De son côté, France 2 lui a choisi Julia Vignali pour remplaçante, l'ex-coprésentatrice de Télématin.